Fremsem, bonjour, nous comptons ça avec vous matin, qui c'est dimanche 23 juin, pour nous capables ensemble étudier le son école sabbat. Avant de nous commencer, nous invitons pour baisser tête tout, pour nous capables prier. Éternel Dieu, papa nous qui nous sommes là, merci pour grâce, merci pour l'amour, merci pour une autre journée qu'on accorde nous, alors que nous parlons étudier par nous demandons pour pardonner péché nous. Imprégnez-nous de cet esprit qu'on s'en va comprendre et mettez en pratique tout ça que vous voulez enseigner nous matin avec nous diriger nous. Nous ne pouvons pas dire, mais si nous prions, c'est notre petit tout Jésus qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen. Bienvenue une autre fois au coffre Maxime. Aujourd'hui, c'est dimanche 23 juin. Titre de son, c'est l'espoir en temps de détresse. L'espoir en temps de détresse. Texte pour nous lire, c'est Apocalypse 22, versets 11 et 12. Daniel 12, versets 1 et 2. Jérémie 30, versets 5 à 7. Question pour nous répondre, c'est qui événement qui a produit avant Jésus retourner pour une seconde fois, pour une deuxième fois? Eh bien, on nous lit ensemble dans Apocalypse 22, versets 11 et 12. Ensuite, pour nous répondre à la question que vous posez, Apocalypse 22, versets 11 et 12. Donc, nous invitons à chercher lui et pour nous capables de lire ensemble. Apocalypse 22, versets 11 et 12, qui ça verset 11 en dit, il dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Verset 12, voici je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Eh bien, deuxième texte que vous baille, c'est Daniel 12, verset 1 et 2, Jérémie 30, verset 5 à 7, nous invitons pour lire la caillou. Eh bien, nous voyons que fait période de probation pour nous-mêmes les hommes. Période de probation, c'est toute période côté que l'évangile t'a prêché, côté que tu as une possibilité de repentance. Eh bien, les périodes, ça a fini. Eh bien, il y a une période de détresse qui pral arriver. Je dis nous, dans Apocalypse 16, et pas gagner sept fléaux. Son période côté que et pas jamais gagner autant comme ça depuis l'homme lui-même li habité sur planète Terre. Eh bien Apocalypse annonçait que après période probation, les le sang est fait li prononcer, ça dit pas gagner l'évangile qui a prêché encore. D'ailleurs nous sommes dans Apocalypse 22 verset 11 et 12 que ça qui juste a vint pi juste, ça qui injuste a vint pi injuste. Donc, dans Apocalypse 16, il parlait de sept fléaux, sept derniers fléaux qui pral déverser sur le monde méchant. Mais, tout comme le cas des fléaux qui étaient abattus sur l'Égypte, peuple bon Dieu a protégé Frère Maxime. On note promesse bon Dieu dans Daniel 7, dans Daniel, et disons dans Daniel 12, ok, verset 1er, côté qu'il dit en ce temps-là, ce don. Ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Donc, Frère Maxime, dans le temps, ça a, et fléau, le pape atteint petit bon Dieu. Nous sommes capables de lire tout dans Philippiens 4, verset 3, dans Apocalypse 13, verset 8, Apocalypse 20, verset 12 et verset 15, Apocalypse 22, verset 19. Donc, si nous demeurons fidèles à Jésus, non nous a écrit et non nous pape effacé dans le livre de vie, Apocalypse 3, verset 5. Je m'en nous à présent pour nous lire 1 Jean 3, verset 1 à 3, Jean 8, verset 29, Jean 14, verset 30, qui seule préparation qui suffisant pour nous-mêmes et qui pral vivre dans tant de détresse ça, pour tant de détresse qui vient pour venir, qui préparation que nous nous fait. En nous lit dans Jean 14, verset 30, Frère Axemio. Jean 14, verset 30. Ensuite, pour nous répondre à la question, ça. En nous cherchant ensemble, Jean 14, verset 30. Qui ça le verset 30 dit? Je ne parlerai plus de guerre avec vous, car le prince du monde revient, il n'a rien en moi. Ok? Jean 14, verset 30. L'autre texte qui est au nous, c'est Jean 8, verset 29. On nous lit Jean 8, verset 29. Jean 8, verset 29. Qui ça, il dit,
Jean 8, verset 29, il dit, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » On nous répond une question. Dans tant de stress, peuple bon Dieu a une relation personnelle qui a tellement profond avec Christ que pas gagner qui a pas changer et relation ça. C'est ça que fait dans Apocalypse vers 22 verset 11 et 12, il parlait de monde qui juste a vinn pi juste, monde qui injuste a vinn pi injuste. Faut maximio. OK? C'est une façon pour nous dire que si ou déjà scellé et ou déjà scellé recevoir le sceau de Dieu et ou vivre dans fin temps ou déjà sanctifié là d'ailleurs nous te voyons dans le sceau passé on parlait de la pluie de l'arrière saison vini l'évangile a prêché avec fracas en pile monde qui dernier monde qui était pour convertir converti et bien à partir de là frère Maximio et ou même qui était déjà juste c'est laissant pour aller venir gagner yon communion qui encore pi rattaché yon communion qui pi et serré avec Dieu. Donc désir suprême nous c'est à pour nous plaire à Dieu. Donc frère Maximio, par contre qui j'en vivre journée aujourd'hier, par contre qui j'en ou yé dans sabbat l'éternel là, par contre qui j'en ou à vivre de manière générale, frère Maximio, des bagages des fois nous qui passer qui paraît simple pour nous, nous penser nous qu'à faire yo alors que c'est des pierres d'achoppement que est pour nous, parce que nous besoin sanctifier, nous voulons recevoir le sceau, mais pour nous recevoir le sceau et c'est pas être du Saint-Esprit, mais nous même faut nous gain volonté pour nous recevoir le sceau. Frère Maximio, on nous garder qui j'ai nous capable améliorer de manière à ce que tant ça tant de seulement pas passer et puis tout nous même et garder nous ouais que au lieu pour nous vienne plus juste nous continuer à dégringoler parce que les temps de probation li fin passé injuste yo a vinn pi injuste. Donc frère Maximio, si tu t'es connu violer commandement de Dieu ou continue violer commandement de Dieu, si tu t'es connu suivre commandement de Dieu ou continue suivre commandement de Dieu, c'est ça fait faut continuer suivre commandement de Dieu. Frère Maximio, yo mande nous pour lire Somme 27 verset 5, Somme 91 verset 1 à 11, Apocalypse 3 verset 10 à 12. Nous pas gétan li texte, nous invitons lire la caillou. Il dit quelle promesse rassurante Dieu nous donne-t-il pour les temps de détresse. Il y a monde qui comprend mal concept et temps de détresse là. OK? Il y a monde qui mal comprend ni. Jésus l'a fini médiation que le gagne dans le sanctuaire dans le ciel lorsque chaque monde va prendre décision pour ou bien contre lui. Frère Maximio, depuis tant de détresse et disons tant de probation fini, ou pas que Jésus qui là pour faire et l'expiation des péchés, pour faire et pour présenter pour dans le sanctuaire du ciel, pour présenter devant papa pour vous. Frère Maximio, si je n'ai prié au nom de Jésus, eh bien les temps de détresse à venir, c'est certes nous a prié au nom de Jésus parce que le sacrifice de Jésus c'est pour tout temps. Mais pas que question mande pardon pour péché et l'Éternel moi péché m'a mande pardon, non, parce que Jésus pas là en tant que médiateur, donc pas que pardon de péché. C'est ça qui fait tout les temps ça a fini et pas que monde qui est capable de repentir encore. C'est ça qui fait la pluie de l'arrière saison li a vini pour yon prédication en masse, en dernière prédication, yon dernière nous capable dit et temps pour tout monde repentir. Mais frère Maximio, automatiquement que temps ça passé, pas bien question mandé pardon parce que Jésus l'a bien retiré toge avocat sous lui, c'est toge juge qui a sous lui qu'on y a là. Donc frère Maximio dit nous, mais cela ne signifie pas que nous serons seuls pendant cette période pour compter sur notre propre force. Donc ça veut dire tout, c'est avec force nous pour vivre dans tout ça. Jésus lui rassure nous que l'a toujours avec nous dans Matthieu 28 verset 20. Donc la foi fait confiance même quand elle ne voit pas et quoi même quand le monde qui nous entoure s'écroule. Donc frère Maximio, l'aina va vivre dans tout ça par penser que le fait que Jésus pas intercédé pour le pardon des péchés que l'a pas abandonné nous. Non, l'a toujours ensemble avec nous.
Donc, frère Maxime, pendant la période de détresse, il faut nous renforcer et désir nous pour l'éternité à accroître. De sorte que seul souhait nous, c'est à vivre avec Jésus pour tout temps. Donc, frère Maxime, titre leçon en matin, c'était l'espoir en temps de détresse. Pas peur, pas crainte pour tant de détresse qui va venir, mais préparer vie spirituelle ou plutôt. Eh bien, frère Maxime, c'est comme ça que nous présenter le son matin, nous inviter pour baisser tête pour nous prier. Éternel Dieu, scellez-nous dès aujourd'hui. Papa, aidez-nous pour nous faire effort parce que nous voulons sauver. Seigneur Dieu, nous connaissons que il y a des temps de détresse qui vient pour venir. Nous connaissons que il y a des fléaux qui viennent. Mais Seigneur Dieu, fais mettre que nous faisons partie de monde qui scellez de manière à ce que nous pas peur, nous pas craindre ça qui vient pour venir, mais pour nous continuer marcher en nouveauté de vie. Papa, fais-nous grâce, bénis journée pour nous, bénis semaine pour nous. Nous pas bon pas dire mais c'est une prière au nom petit tout Jésus qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci et merci encore une fois. Frère Maxime, nous t'es content ça avec vous. C'était Foy Ismaël chéri. Que bon Dieu bénisse.